suis vraiment très excité d'être ici. Nous voulons partager une chose spéciale avec vous aujourd'hui. En tout, entre le iMac et le PowerBook, nous avons vendu plus de 3 millions d'unités cette année. Ok, c'est tout. Oui, il y a peut-être une autre petite chose. Je vais vous montrer quelque chose de stupéfiant que personne d'autre dans tout l'univers n'a encore vu. Alors Johnny, moi-même et une petite équipe avons beaucoup travaillé à concevoir un projet secret, comme j'ai la réputation de le faire de temps à autre. L'appareil que je m'apprête à vous dévoiler va sans doute révolutionner une industrie entière. C'est un baladeur musical numérique. Ok. Nous y arriverons dans une minute. Parce que ce qu'il représente est aussi important que ce qu'il est. C'est un outil pour le cœur. Et quand on peut toucher le cœur de quelqu'un, c'est illimité. Et si j'ose le dire moi-même, c'est cool à la folie. C'est un baladeur musical. C'est un millier de chansons dans votre poche. Alors je vous présente le iPod. Hey, Jobs, allez, debout vieux, réveille-toi. Je suis beau. Je suis de Steve. Hey, Daniel. Salut, comment ça va? Oh, tu lis ici et maintenant? Oui, c'est vraiment génial. Je suis en train de le lire moi aussi, c'est formidable. C'est le prochain niveau. Et en parlant de ce bouquin, t'as disparu hier soir, t'es allé où? Il fallait que j'étudie. Je sais. Non. Attends, c'est pas que je mets en doute la valeur d'une éducation supérieure. Je dis juste que c'est au détriment de l'expérience. Le système ne peut produire que le système. Je refuse de faire partie de ça et tu devrais refuser toi aussi. Je suis d'accord avec toi, sauf que t'as abandonné l'école et ça demande des couilles. C'est pour ça que tu devrais. Non, je peux pas. Steven, je peux vous parler un petit moment? Allez, on se voit tout à l'heure. Oui, j'espère que je n'interromps rien. Et vos cours? Je suis plus étudiant, vous le savez bien, Jack. Mais vous êtes ici, et vous apprenez. Vous avez tout l'air d'un étudiant, selon moi. Si vous voulez que je m'en aille. Pourquoi voudrais-je une telle chose, Steven? Ça me plaît que vous soyez ici, que vous payiez ou non. Vous avez toujours ce bloc-notes avec vous. Manifestement, vous vous imaginez en artiste. Pourquoi n'assistez-vous pas au cours de design? Non, ben, j'aime le principe de l'art, la beauté, mais seulement dans le bon contexte. Mais en faire une carrière, non, j'ai pas le talent qu'il faut. Mais l'électronique vous intéresse, pourquoi pas l'ingénierie? Il y a un vaste marché qui s'ouvre pour des techniciens qualifiés. Ce serait bien, ça. Je veux pas dépenser ce que mes parents m'envoient pour acquérir un diplôme et me retrouver aussi oubliable qu'un électricien. Excusez-moi, c'est une perte de temps, un diplôme, donc... Oui, pour certains, je pense. Pour d'autres, c'est une espèce de validation. Un emploi assuré. Steve. Allez, à plus tard. Steven. On se reparlera de ça. Tu travailles sur quoi? Oh, rien de majeur, c'est un devoir pour le cours de calligraphie que je suis. C'est magnifique. Je peux? Ouais. Le prof est un moine, quelque chose comme ça. Un moine? Ouais, Robert Palladino.
Il est totalement inspirant. Je m'appelle Julie. Tu t'en vas? Mais je... Il faut que j'y aille. Tu veux décoller? Oui. Oui, je veux. Un ou deux, je peux? Bien sûr. Pour mes amis. Ben, mon ami. Et ma copine. C'est trop magnifique. C'est comme une fenêtre sur le monde. C'est comment vous croyez dans l'espace? C'est bien au-delà de notre raison. Ouais. Qui aurait un bébé et le jetterait aux orties comme si c'était rien du tout. Tu veux parler de tes parents biologiques? Oh non, 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 non. C'est mauvais, ça. Ouais. Ça me rend vraiment très triste. Je... Désolé que ma vie fout en l'air ton voyage. Non, ça va. Je m'ennuie de toi quand tu es ailleurs. Steve, je t'aime. Je t'aime aussi. L'espace, l'infinie profondeur. Qu'est-ce que ce gourou nous disait déjà ? Il n'y a pas de temps à perdre. Vous entendez ça? Quoi? Et le voilà reparti. Calligraphie est une expression artistique et visuelle de la communication. Prenez le garamond, par exemple. Un caractère spécifiquement dessiné pour rendre l'acte même de lire plus naturel. Sont intrinsèquement conçus pour vous faciliter la vie. En théorie, il n'y a aucune limite à ce que peut faire un ordinateur. Ce n'est pas qui vous étiez en venant au monde qui importe, mais ce que vous faites du temps qui vous a été imparti. Le moment de votre mort est fixé. La vie n'est qu'un voyage vers la sérénité, vers son achèvement. Soyez aussi simple que possible. Vous pourriez être étonné de voir à quel point votre vie devient peu compliquée et heureuse. Je sais même pas ce que je vais faire en rentrant chez nous. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant à la vallée? Steve? Steve? Tout va bien?
Non. Non, c'est encore en noir et blanc, ça va pas. Le public veut de la couleur. Pong avait pas de couleur. Et alors? Faisons un jeu bien meilleur. Il n'y a aucune couleur possible. Qui a dit ça? Ok, tu refuses de faire quoi que ce soit qui pourrait te demander un petit effort. T'es même pas mon patron. Je devrais peut-être être ton patron. Hé, hey, Jobs! Qu'est-ce que tu fais, Steve? C'est un idiot. Voilà, et la moitié des gens ici sont des concepteurs de merde. On se plaint beaucoup dans le bureau à propos de ton comportement. À propos de mon... Oui. Et ton... ton odeur. Tu prends des douches comme on en a parlé? Je porte des chaussures. Tu voulais que je porte des chaussures et j'en porte. Ça fait partie de l'entente, Steve. Tu dois travailler avec les autres, tu le comprends bien? Je m'efforce de bien faire les choses. Je sais tout ça. Alors laisse-moi faire. Écoute, Steve, t'es bon. Tu es très bon. Mais tu es détestable. Ben ça... Hé, j'ai pas fini. Je te veux avec nous. Je te jure que c'est vrai. Mais on doit changer des choses. Donne-moi mon propre projet. Quoi? Donne-moi mon propre projet. Je le réaliserai de mon côté. Et je te fabriquerai le jeu le plus dément que t'auras jamais vu. T'es sérieux? Ok, Steve. J'ai besoin de quelqu'un pour revoir un jeu à problème. Mais mes délais sont serrés. Alors si tu y arrives, on est prêt à te payer $5,000. $5,000. Mm-hmm. Ok. Mais sur le plan personnel, Steve, je crois que j'ai peut-être une solution. Il y a tellement de circuits. Waz, salut, c'est Steve. Tu me sauves la vie, merci. Mais c'est rien. Entre amis, des amis, ça sert à ça. Travailler sous les ordres des autres, c'est dur pour moi. Je dois avoir les mains libres dans tout. Si ça a le moindre sens. Oh, quant à moi, c'est plein de bon sens. Pardonne-moi d'avoir gâché ton vendredi soir. Non, mais tu plaisantes. C'est génial, ça. Je ferai ce travail pour rien, je te jure. Mais juste par curiosité, combien on va être payé? $700. C'est pas une petite somme. Merde! C'est bon, ça? C'est très bon. Je sais. Waouh! 4 jours, tu perds pas de temps. Faut que je monte ça à Nolan, mais c'est... c'est vraiment bon. Waz? Waz! Salut, oui, je suis dans le salon. Salut. Bonne nouvelle. Hein? Laisse-moi deviner, tes patrons ont aimé le jeu vidéo. Ils ont adoré. Ouh, 350, pfiou, c'est pas mal. Pas mal, c'est génial. Sur quoi tu travailles? Ma machine à raconter des blagues, j'écris les blagues. J'en ai des polonaises assez marrantes, ce qui tombe bien puisque je suis polonais. Écoute, dis-moi ce que tu penses de celle-là. Prêt. Qu'est-ce qui est long et dur et qu'une nouvelle mariée polonaise reçoit le soir de ses noces? Un nouveau nom de famille. C'est tordant.
Pas mal. Comment appelle-t-on une jolie polonaise? Une chanceuse. C'est quoi ce truc-là? Oh. Ça. Alors ça, ça va être super cool. C'est une carte de terminal d'ordinateur sur laquelle je travaille. Ça se branche sur la télévision pour l'affichage. C'est un genre de kit, c'est quoi, explique? Bah, le code est encore bloqué, mais en théorie, ça va montrer tout ce que t'es en train de faire, tu vois. Fais-moi voir. Te faire voir, ok. Je me fiche que Hewlett Packard n'est pas né. C'est important. Oui, ça a du potentiel. Non, les Sex Pistols ont du potentiel. Ça, c'est la roue. C'est la révolution industrielle. Plus de modules, plus d'unités centrales. Ça change tout. C'est plutôt cool, j'imagine. Salut, Charlie. Cool, hein? C'est profond. Comment as-tu pu ne pas me parler de ça avant? J'en sais rien, je travaillais là-dessus pour moi. C'était un hobby. Exactement. Exactement, pour toi seul. Pour toi. C'est ce que tu voulais, c'est ce que tes tripes, ton instinct voulait, ton gros cerveau évolué voulait, une abstraction sans existence. Alors tu l'as simplement poussé à l'existence. Comment tu appelles le système? Le système d'exploitation. D'exploitation, ok. Quel nom? Il te montre les... Ouais, c'est ça, l'affichage en temps réel des opérations. Tu peux voir ce sur quoi tu travailles pendant que tu travailles dessus. Okay. Tu ne penses pas que c'est la pleine liberté? C'est la pleine liberté de créer et de faire et de bâtir et, attends, et en tant qu'artiste, en tant qu'individu. Arrête! Tu vas trop loin, là! Non, même non, si tu développais ce système pour des maniaques comme nous, ce dont je doute. Y'a personne qui veut payer pour un ordinateur. Y'a personne qui va acheter ça. Les gens ça. Ne peuvent pas savoir qu'ils veulent une chose qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Hein? On va aller à Umbro. Non. Jamais. Non, moi je ne présente pas quoi que ce soit à Umbro. Non. Pourquoi les gens conduisent si lentement? Dégage, pousse-toi! Laisse-moi te dire une chose, je connais bien Umbro, j'y suis allé et je sais le calibre des personnes qui exposent là. Et moi je t'assure, j'en fais pas partie. Et moi je te dis que ce truc est fabuleux, tu vas très bien faire ça, Woz. Steve, tu voudrais me faire plaisir, s'il te plaît. Tu veux ralentir juste un peu, que j'ai le sentiment qu'il y a une chance que nous arrivions là-bas sains et saufs. Je veux qu'on arrive les premiers afin de présenter les premiers. Tu sais, tant qu'à faire ça, on devrait peut-être baptiser la petite machine. Oui, je sais. Un nom accrocheur. Je sais pas. Je pensais justement. Électrique. Oui, un nom. Un nom genre. Que dis-tu de Enterprise Computers? Non. Pas de nom à la Star Trek, pas question. Pas, je te jure, j'envoie cette voiture dans un lampadaire. J'envoie cette voiture dans un lampadaire. Seigneur, calme-toi. Soyons sérieux, ok? Rien de Star Trek. Il faut juste un nom plus ordinaire auquel le public puisse s'identifier tout de suite, tu vois, genre. Il faut quelque chose qu'on voit et qu'on se dise « Merde, il faut que j'ai cet appareil. » Apple. Excuse-moi. Apple. Apple, comme le fruit? Le fruit de la création. Apple. C'est simple, mais sophistiqué. Ça vient avant Atari dans le potin. C'est infiniment mieux que Phaser Beam Computers. C'est... L'appli Apple, d'un nom de fruit. Apple Computer. Mais qu'est-ce qu'on fait de Apple Records? Apple Records? Les Beatles, c'est leur étiquette. Quoi, ils détiennent le mot Apple? Pourquoi t'es toujours contre les Mais Beatles? Mais non, moi j'ai rien oui, contre les Beatles. Contre, t'es j'ai rien train... contre les Beatles. T'es toujours... C'est juste qu'ils sont pas délonnés, tu okay, le sais, ok, ça. Voilà ta comparaison. Chaque fois qu'on en c'est parle... C'est tellement clair. Je crois que c'est pas juste. Apple. Vraiment, Apple. Ok, écoute, si on trouve un nom meilleur, on changera. Allons-y avec ça et voyons ce que ça donne. Il peut afficher jusqu'à 192 emplacements de mémoire sur le moniteur simultanément. Permettez-moi d'expliquer parce que c'est assez fascinant. En fait, la carte logique est assez complexe, en particulier si on la compare avec les autres cartes, incluant celle de Alter,
Et comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus petite et plus économique à manufacturer et à fabriquer. Et alors, par l'utilisation de la mémoire vive, j'ai donc pu... Nous avons pu réduire la taille de la carte substantiellement. Donc, ça marche avec la télévision? Oui, 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 oui. Ça marche avec n'importe quelle télévision ou n'importe quel moniteur. Tout ce qu'il vous faut, c'est un convertisseur de fréquence radio pour afficher les images provenant de votre microprocesseur vers votre appareil de sortie. Et il travaille en BASIC. Il travaille aussi en BASIC, ce qui pourrait être génial, je pense. Alors, je crois que ça termine la présentation. Merci beaucoup pour votre temps. Ça a été formidable. Merde. Ils sont durs. Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Frank. Et moi, Lutz. Et nous sommes ici avec un CPU à ensemble d'instructions réduit. Excusez-moi. Je m'appelle Paul Terrell. J'ai vu votre présentation. Et je voudrais qu'on parle affaire. En quoi je peux vous aider? Ben, j'ai un magasin de pièces d'ordinateur à Mountain View, le Byte Shop. Des pièces d'ordinateur? Oui, on vend des transistors, des fers à souder, des cartes mères, des moniteurs, vous voyez, des trucs pour les amateurs. Comme Radio Shack? Non. Écoutez, pourquoi vous ne passeriez pas et on pourrait parler un peu? Prenez ça, téléphonez-moi un jour. Ok. Content de vous connaître. Steve Jobs. Steve Jobs, d'accord. C'est qui ça? C'est Paul Terrell. Oh. Qui? Alors, de quel genre d'investissement est-ce qu'on parle ici? Tout doux, Steve. J'ai dit que j'étais intéressé par acheteur. Je sais. Mais vous n'êtes pas le seul à être intéressé par ici. Oh, c'est vrai? Je suis pas le seul. Non, il y en a d'autres. C'est très intéressant, parce qu'on n'aurait jamais cru ça l'autre soir à Homebrew. Vous croyez que c'était notre première présentation? On a présenté dans toute la vallée? Ah bon, alors? Vous avez déjà un détaillant? J'ai eu des offres. Écoutez, Paul, mon deuxième prénom est Paul. Ouais, du nom de mon père. Tous ces pauvres. Écoutez, je crois qu'on est pareils tous les deux. On est des hommes d'affaires qui marchons par instinct. Et mon instinct me dit de ne pas vous laisser rater cette belle occasion. Je pense à $400 par machine pour 50 unités, payées au complet sur livraison. 400 pour 100 unités, dont un tiers sur commande. Nous ne négocions pas, Steve. Oh, mais oui. Ok. Je paie 450 par machine. 450. À la livraison, rien sur commande. Je sais que c'est exigeant, Steve. Mais c'est un gros profit si vous livrez. Quand je livrerai? 500 $ par unité et on est d'accord. D'accord. Vous avez 90 jours. Je vous livre en 60. C'est parce qu'on n'avait pas assez de place chez nous, Daniel et moi, alors. Non, je suis content que tu m'aies demandé. Et on pourrait... déplacer un peu les choses, faire le ménage. Il y a la remise où je pourrais ranger mes outils. Je peux peut-être vous trouver un ventilateur pour les grosses chaleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Génial, pas. Oui, c'est parfait. Bon, eh bien. Ce sera bien de vous voir fabriquer des trucs. Ok. Hey. Que ça reste bien rangé. Immaculé. Merci, Monsieur G.
On a un atelier. Oui, tout à fait. Alors là, si on ajoute ça, notre marche sera alors de... Ça avance ? Voilà. Il faut que ce soit plus droit. Il faut qu'il soit symétrique. Nous avons 60 jours pour en faire 50 et tu t'inquiètes pour la symétrie, Steve. L'aspect de la carte mère n'intéresse personne. Moi, oui. Merveilleux. Mais on a manqué de temps à la minute où tu as fait cette stupide promesse. Tu as raison. Faut de l'aide. Waz ? Ouais ? On a un problème. Hein ? Va falloir décider quoi faire avec tous ces employés. Tu connais Bill ? Bill ? Ça fait longtemps, Waz. Comment vas-tu ? Content de te voir, ça va ? Voici mon ami, Daniel Kottke. Salut, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ça va, Waz ? Kottke, le vieil ami de l'Inde, bien sûr. J'ai beaucoup entendu parler de toi aussi, touche pas à ça. Et voici Chris Espinoza, le jeune voisin dont je t'avais parlé. Heureux de te rencontrer, l'ami. Ça va être tellement trop cool. Génial. Je suis vraiment très content que vous... Soyez excité par ce truc qu'on fait ici. J'ai quelque chose à te dire, t'as une seconde ? Oui. Excuse-moi, tu veux bien arrêter ? Merci, reculez tous, ok ? Dégagez un peu, allez là-bas, ok ? Nous ne pouvons nous payer 3 employés, pour l'instant. Nous ne pouvons nous payer nous-mêmes, si nous ne livrons pas. Et t'en fais pas pour Chris, c'est qu'un enfant, il veut juste donner un coup de main. Toi, t'es qu'un enfant. Souriez. Merci, maman. Tellement gênant. Jolie carte mère. Où est le reste ? Le reste ? Tout est là ? J'ai commandé 50 ordinateurs. Ça inclut boîtier, clavier, moniteur et alimentation électrique, pas juste des cartes mères. Que... Juste des cartes mères ? Attendez, pardon ? Mais ces cartes, c'est ce qu'il y a de plus avancé, ces cartes mères à elles seules. Personne fait des circuits de cette qualité. Quoi ? Comment osez-vous ? Comment osez-vous ? Je crois que ce que mon collègue veut dire, c'est que vous ne voyez pas les possibilités en ce moment. C'est vrai que cet ordinateur est remarquablement génial, Paul. Pas aux yeux du consommateur. Bah, peut-être que votre consommateur devrait apprendre avant tout à utiliser cette à faire marcher ça. Vous écoutez-moi, les gars. Vous m'avez convaincu. Avec un ordinateur personnel, ça veut dire un clavier et un moniteur. Ça, c'est une carte mère. Bon, je suis sûr que ça constitue un excellent kit de démarrage, mais la personne ordinaire, le genre de personne qui n'a rien d'un ingénieur ou qui n'est pas dans un club informatique comme vous, n'aura aucune idée de ce que c'est que ce truc-là. L'homme de la rue ne veut pas construire son ordinateur. Il veut juste l'acheter. Il veut le sortir de la boîte, le brancher et le faire marcher. Steve, est-ce que vous m'écoutez ? Oui. Ce sont vos cartes mères. Et elles vont se vendre.
C'est une promesse que je vous fais. Vous avez vu notre démon à Homebrew. Vous savez ce dont il est capable avec les bons composants. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, tous ces composants, vous les vendez. Alors, démontrez-le aux consommateurs et mettez les composants en vente à part, c'est tout. Vous allez vendre plein de claviers, plein de moniteurs. Ça fera bouger l'inventaire dans l'entrepôt et vous pourrez faire beaucoup plus d'argent. Je me suis fait prendre. D'accord, Steve. Je vais essayer de les vendre. Mais s'il me reste en stock, je placerai pas d'autres commandes. Ok. Ça va. Mais il n'est pas impossible que vous ayez de l'intérêt pour notre second modèle. C'est quoi le second modèle? Qu'est-ce que tu racontes? Tout intégré. Oui, monsieur. C'est moi, Rod Holt. Le technicien, on s'est parlé au téléphone. Bien sûr. C'est Rod. Content que vous soyez passé. Bienvenue chez Apple Computer. Ok. Faites-moi voir, cette merde qui va tout bouleverser. Le Apple II. C'est le premier ordinateur personnel complètement intégré. Et vous m'avez appelé parce que... Alimentation électrique à l'épreuve de la chaleur. À l'intérieur. C'est impossible. Mais bon, oubliez-moi. Après tout, vous savez, je ne suis qu'un ingénieur. Quelle consommation? 40 watts. Et silencieux. Vous entendez quoi par silencieux? Eh ben, sans bruit. Ça n'existe pas, ça. Ces trucs sont chauds, il faut les ventiler à tout prix. C'est pas silencieux, ces conneries. C'est précisément pourquoi on a besoin de vous. Concevez-en un. Concevoir un quoi? Un transformateur pour ça. Un nouveau transfo. Sans aucune ventilation, qui ne chauffe pas, et qui s'installe dans un boîtier de cette dimension. Non, faites pas ça, monsieur. Arrêtez de... Comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mon tarif est $200 par jour. Et si jamais je vois que ça fonctionne pas, je pars. Mm-hmm. C'est bien clair? Bien clair. Mais ce dont nous parlons, c'est l'avenir. Non, mais nous travaillons dans un marché qui reste à inventer. Ce qu'Intel a fait pour le microprocesseur, nous allons le faire pour l'ordinateur personnel. Comment? Comment ça, vous ne savez pas de quoi je parle? Non, madame, il marche sur un moniteur de télévision. Oui, c'est exactement comme une télévision. Non, 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 je crois que vous ne comprenez pas. C'est pas une télévision, c'est un ordinateur personnel. Ok, vous avez une machine à écrire? Génial. Ok, alors, vous vous en servez? Parfait. Alors, imaginez que vous combinez votre machine à écrire avec votre télévision. Non, non, attendez, attendez, une minute. Monsieur, s'il vous plaît, non, ne raccrochez pas. Oui. On est petit pour l'instant, mais on... Comment savez-vous qu'on travaille dans notre garage? Qui vous a dit ça? Oui, oui. Merci à vous d'avoir pris le temps. Oui, monsieur. Apple Computer. Apple? Oui, comme la pomme. C'est qui? Non, non, tout ce que je demande, c'est que vous passiez nous voir.
une petite réunion et je vous promets que vous monterez à bord. 50 000 dollars environ. Quelque chose comme ça. Allô? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont tous ces humains? Ils sont bouchés ou bien? J'en déduis que ça n'a pas marché. J'aimerais te dire, étouffe-toi, mais ce burrito va te tuer de toute manière. Arrête, Steve. Détends-toi, mon vieux. Qu'est-ce que tu dis? C'est juste, je veux dire, t'es trop stressé, tu vas en dire relax pour changer. Pour quoi faire? Ressembler un peu plus aux deux nuls que vous êtes? Hé, moi j'étudie la conception de circuits intégrés, mon vieux. Ah oui? On fait tous notre part. Vraiment. Alors pourquoi est-ce que je sens tout à coup que la tienne n'est pas indispensable? T'es là, à fumer comme si on était en Inde. Réveille, on n'est plus en Inde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais tellement... Quoi? J'étais tellement quoi? Motivé. Je suis motivé. Ah oui? Alors fais-le moi voir. C'est une entreprise ici, Tania. Et je peux rien faire pour toi si tu fais rien pour toi-même. Je me fends en quatre. À passer des centaines de coups de téléphone. Rod se casse la tête à trouver un moyen. Le jeune trouve toujours quelque chose à faire. Et Dieu sait si Woz met tout son poids dans la balance. Merci beaucoup. Elle s'en fait pas mal. Je trouve ça assez blessant, Rod. Est-ce que je suis bien chez... Apple Computer? Oui, c'est nous. Oui. Vous aviez peut-être une autre image en tête? Non. Bah, ouais, peut-être bien moins comme la famille Manson. On vient de se lancer. Ouais. Chez Mike Mercola. Steve. Jobs. Steve, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous avez parlé à Don Valentine au téléphone. On est de vieux collègues, lui et moi, Steve. Ah oui, l'investisseur, le gars d'Atari, c'est bien ça? Oui, Valentine, il dit que vous lui avez placé environ 150 appels. Oh, si. Il m'a pratiquement supplié de passer voir votre entreprise ici. Il le demandait comme une faveur. Oh, ben, Mark. Mike. Mike. Bienvenue chez Apple Computer. Merci. Oui, alors c'est... C'est vraiment tout? Ah ouais? Non. Non, on est dans 6 magasins dans la région. Nous allons lancer le Apple II dans moins de mois. Dans plusieurs mois? Sous peu. Messieurs, y a-t-il un endroit où on pourrait bavarder? Et voilà, mes amis. Pour toi. Steve est un fruitarien. Il mange que des fruits. Ok, jeunes gens. Je vais vous laisser parler à faire. Merci. Merci, maman. Merci, madame G. T'es la meilleure. Ouais. Alors, où en étions-nous? Pardon, soyez pas insulté par ma question, mais quelle est votre école? Ce que mon collègue essaie de vous dire, c'est... Quel était votre dernier emploi, monsieur? Intel. Alors de combien est-ce que nous parlons? Quoi, l'investissement? Vous êtes bienvenu pour ça. Ouais, les préliminaires estifs, ça fait deux. Oui ou non? Oui, eh bien... Depuis un petit moment, je cherche quelque chose dans quoi m'engager à fond. Écoutez, Steve, je suis prêt à courir le risque. Et ça a certainement ce qu'il faut. Mais un risque déguisé en promesse, et vous êtes très prometteur, je le vois dans votre regard. Et je connais ce regard parce que je l'ai eu moi-même. Il me dit que vous avez de bons projets. Ok, alors parlons. Je crois qu'on devrait commencer avec 90 000 dollars et voir où ça nous mène. Ok, je m'excuse, vous voulez répéter ça? Je suis désolé. Ça n'ira pas 90 000 dollars. Oh, attends, Steve, une seconde. Je ne vois personne d'autre venir dans votre garage, le carnet de chèque à la main. Oh, non, non,
$90,000, ça ira pour nous. Je crois juste que ça n'ira pas pour vous. C'est nous qui allons faire l'investissement de 90 000, avec valorisation à $300,000. Mais je veux aussi que vous nous accordiez une marge de crédit de $250,000 à 10% d'intérêt, remboursable en entier après les premiers revenus positifs nets. Ok. Je veux dire par là, ok. Ouais. Alors, la première chose à faire est de vous incorporer afin que vos intérêts à tous les deux comme propriétaires soient protégés. Si bien sûr vous me laissez m'embarquer. Ouais, merci beaucoup, monsieur Markle. Ah, appelez-moi Mike, bien sûr. Hey, heureux de vous connaître. Oui, serrez-vous la main, Bill. Bill? Oui. Fernandez. Ok. Oh, merci, Mike. Oui, Steve. À vous, merci. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Je suis enceinte. Steve, il va falloir que tu me parles. C'est ta responsabilité aussi. Comment oses-tu me blâmer, moi? Je fais pas ça. Toi et moi avons eu des moments où nous avons... Quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Quand j'étais en Inde, tu étais avec... Tu sais qui? Steve, t'es fou, quoi? Tu vas quand même pas tout rejeter sur moi? Ne me fais pas ça en ce moment, surtout pas. Pas maintenant. Bah, je suis désolée que ça fasse pas partie de ton plan. Je suis désolée que t'aies un problème. Mais il n'arrive pas à moi. Mais... c'est ton... Non! Sors de chez moi, tu veux? Quoi? Tout de suite! Non, merde, c'est parti. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien ici? Steven... Steven me fout dehors. Il veut plus rien savoir de moi. C'est peut-être pour le mieux. Tu mérites pas de te faire traiter comme il te traite. Mais je suis enceinte, Daniel. Quoi, t'es... Il dit qu'il est pas lui, mais jamais j'aurais fait... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Chris, t'as rien fait de mal. C'est Steve. Il est comme ça. Il a changé.
Ouais. Mesdames et messieurs, je m'appelle Steve Jobs. Quand j'ai fondé cette compagnie, j'avais un but en tête. Et c'était de faire ce que personne d'autre ne croyait possible. De mettre la puissance et la beauté de la technologie la plus avancée de toutes dans les mains et les foyers du grand public, des gens tout à fait comme vous et moi. Et je vous fais la promesse à tous qu'après ce jour, vous ne verrez plus les ordinateurs comme vous les voyiez auparavant. Alors je suis fier de vous présenter à vous et au monde l'avenir de l'informatique personnelle, le révolutionnaire Apple II. Commencer à zéro. Ça doit être à tout prix intuitif, précognitif. Par là, je veux dire qu'il doit savoir ce que vous voulez faire, même avant que vous, vous le sachiez. Attends, on parle toujours de la barre de menu, ou bien... Bill, on parle d'absolument tout. La totale. Lisa, les gars, c'est l'avenir, je peux vous le dire à cet instant. Comprenez, Lisa va faire pour les 10 années à venir ce que l'Apple II a fait pour les 3 dernières. Je vous le garantis dès maintenant. Vous savez pourquoi les gens achètent un Apple ? Pourquoi pas une autre marque au lieu du Apple ? Parce qu'il a du panache. C'est un statut social. Non, attendez, c'est même plus que ça, c'est une devise sociale. Nous avons monté la barre. Et si nous voulons rester là-haut, nous devons risquer vraiment tout. Les grands artistes Dylan, Picasso, Newton, ils ont risqué les pires échecs. Et si nous voulons être les plus grands, nous devons les risquer aussi. Sur la barre de menu ? Surtout, mon vieux. Et ça commence avec les petits détails. Mais il y a plus de 20 fonctions différentes, attachées à chaque unique variation de la barre de menu qui demande, en passant, des semaines à programmer. Nous ne faisons rien du tout que IBM ne fasse déjà. Et je préfère tout risquer pour créer notre vision que fabriquer un produit d'imitation. Nous devons rendre les petites choses toutes inoubliables. Commençons avec quelque chose de simple. Lisa Wright. Que se passe-t-il quand je clique sur un des onglets de cette barre ? Tu as un menu déroulant, ensuite il y a des préférences et des options de page. Ok, c'est ça. Maintenant, sur quel onglet dois-je cliquer pour obtenir différentes polices de caractères ? Combien de polices personnalisées y a-t-il dans Lisa Wright ? C'est une chose justement... dont j'avais l'intention de te parler, Steve. Ça fait maintenant des mois que je demande ces polices. Mais tout ce dont nous parlons est conceptuel, et je suis désolé, mais les polices ne sont pas tout à fait une priorité pour l'instant. Chaque petite chose est une priorité. Si nous voulons mettre au monde la vision de Lisa que nous avons, il faut y mettre toutes les heures. Et bâtir du beau et du grand. Oui, mais nous avons des délais serrés avec ce logiciel. Et je m'excuse, mais ajouter des polices ravissantes ne changera rien à ça. Je veux dire, Bill ? Si tu ne veux pas partager notre enthousiasme et notre vision pour l'avenir de cette compagnie... Non, c'est juste que je suis pas sûr de voir où tout ça... Sors d'ici. Quoi ?
Vite tes tiroirs et sors d'ici. Attends. T'es dehors. Mais qu'est-ce que tu vas me foutre à la porte? Non! C'est déjà fait, sors, je te dis! Qu'est-ce que tu fous encore ici? Steve, c'était notre meilleur programmeur de la division. C'est le meilleur programmeur qui n'a aucun intérêt pour notre vision. Ok. Écoute, je sais que c'est peut-être pas à moi de te dire ça. Alors, mais... écrase-toi, Bill! Désolé de vous interrompre, Monsieur Jobs, mais votre avocat est ici pour votre rendez-vous de 8 heures. D'accord. Je veux voir des exemples dès cet après-midi. Comment avons-nous pu concevoir un traitement de texte qui n'a aucune police? Ça ne devra jamais plus arriver. Alors, voyez-y! Steve. Oh merde. Steve, hey. Daniel. Salut. T'aurais pas une seconde pour parler? On avait repoussé, je croyais. Il y en a pour juste une seconde. C'est ce que tout le monde dit. Okay. Steve. Bien. J'ai rien pour le lunch, alors. Viens à midi au Good Earth, on se verra. Ok. Cool. Tu travailles sur quoi ces jours-ci? Oh, les réparations de l'Apple II Plus, surtout. Ouais. J'ai besoin que vous me signiez ça. Ça préserve légalement vos droits de visite. Je n'en veux pas. Lisa Brennan n'est pas mon enfant. La cour est en désaccord. Chris Anne et Folalie, c'est impossible. En tout cas, improbable. Vous saviez dès le départ que le test de paternité arriverait à prouver que vous êtes le père, Steve. Il y a 24 millions d'habitants en Californie. Ce test a environ 5% de marge d'erreur. Ça fait 1 200 000 personnes qui peuvent avoir conçu cet enfant. Et ce n'est pas moi. Inutile de me convaincre, moi. Mais il est essentiel que vous signiez ça. Madame Brennan a le droit de toucher une pension pour votre enfant, que vous signiez ce document ou non. Vous voulez vraiment laisser tomber vos droits de voir votre... de voir son enfant à l'avenir? Je n'ai pas le temps. Pas en ce moment. Steven, en tant que père, je vous supplie de signer ça. En dehors du fait que vous croyez que Lisa est votre fille ou non. Il n'y a aucun risque à signer. Il n'y a que le regret. Si vous refusez. Frederick Rodney Holt. Il a fait récemment un achat préférentiel additionnel de 106 656 actions à 19 cents l'unité. Voilà, pour être clair, cette nouvelle acquisition n'affecte en rien le droit de M. Holt à des actions fondateurs. Non, on est d'accord. Steve? Non, 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 que Rod est ce qui lui est dû. Daniel Kratke, technicien en ingénierie, employé fondateur. Lors de notre dernière réunion, je ne pense pas que nous en soyons arrivés à un consensus sur les droits de M. Kratke à des actions de fondateur. Eh bien, en toute honnêteté, permettre à Daniel d'avoir le même montant d'action que Rod semble un peu injuste. Tu trouves pas? Oui. Daniel n'aura rien. Rien du tout? Je crois que tu devrais penser à ce que tu fais une petite seconde. J'y ai tout à fait pensé. Daniel n'aura rien. Bien, monsieur. C'est noté. Quoi? Il fait un travail dont un quelconque technicien serait capable. Et moi, je le nourris depuis des années. Ça n'a rien de personnel. Ne me sors pas ces conneries, Steve. Bien sûr que c'est personnel. C'est à peine s'il fait son job. Si on lui donne des actions préférentielles, quelque part, un ingénieur avec 10 fois plus de talent ne reçoit rien. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on trace la ligne juste ici. Maintenant, ok, tu... De quoi est-ce que tu parles, administration? Je parle administration et ingénieur. Bah, ça implique que... Je sais ce que ça implique, Mike. Merci. Non, non, il est... Non, merci. Ok, alors, nous continuons. Voilà votre nous pouvons présumer que Bill Fernandez, Randy Wigington et Chris Espinoza ne recevront aucune option.
Tu bois ta bière, hein? Demain, jour important pour toi? Pour nous? Pour nous. Mike m'a parlé de ce qui s'est passé avec Bill et Dan et Chris et Steve. Pourquoi t'as fait ça? La compagnie les a dépassés. Ils ne sont pas cadres. Ils ne sont pas chargés de projet. Mon boulot n'est pas d'être gentil avec les employés, mais bien de les rendre meilleurs. Ils ne le méritent pas. Qui le mérite alors? Tu sais comment cette compagnie marche? Tu voudrais le savoir? Ça me ferait très plaisir de te l'apprendre si tu veux savoir. Tu sais pourquoi j'ai fondé cette compagnie avec toi? Pourquoi j'ai abandonné la sécurité de Hewlett-Packard pour ça? J'ai des doutes, tu me l'as jamais demandé. Je suis parti parce que c'était mon truc. Et vous autres, vous trouviez que c'était cool. Je voulais juste faire partie de la bande de gars. Et de tous les gars que je connaissais, le plus cool, c'était toi. T'étais brillant. T'avais de l'esprit. Et c'était ma chance de faire ce que j'aimais. Et de le faire pour le plaisir. C'était tout. C'était tout ce que j'avais jamais voulu. Je pensais que c'était ce que tu voulais aussi. Je sais pas ce qui s'est passé en toi, Steve. Je suis un adulte maintenant. Non. Non, tu ne l'es pas. Incorporé fait les manchettes une fois de plus aujourd'hui. Sur Wall Street, le géant de la technologie est devenu public ce matin, suscitant un incroyable intérêt du marché alors que 4,6 millions actions de son introduction en bourse se sont vendues dans l'heure qui a suivi la cloche. Les experts et les autorités de la bourse avaient prédit une forte journée pour la compagnie technologique, mais ils s'accordent maintenant pour dire que Apple a dépassé les plus fortes attentes. C'était la plus étonnante surprise. Dire à Monsieur Mercola qu'on est ici. Merci beaucoup. Tout de suite, Monsieur Rock. Bonjour, monsieur. Mike, je vous en prie. Venez vous asseoir. Nous devons parler d'une affaire importante. Je crois que vous n'aimerez pas ça. C'est Steve. Il siphonne le capital de la compagnie sur des fantasmes qui sont tout bonnement impossibles avec le Lisa, Mike. Oui, mais Steve a réussi l'impossible depuis que cette compagnie était dans un garage. Mike, j'aime tout ce que Steve représente, vous le savez. Mais il est comme un enfant dans un magasin de jouets et on lui a laissé les clés. Oui, mais
C'est son magasin de jouets. Désormais, vous ne verrez plus un ordinateur personnel, avec son clavier attaché en permanence. Mike, c'est un problème. Le pire problème, c'est qu'il tourne en ridicule IBM. Jobs a acheté une publicité dans le Wall Street Journal, narguant la plus grosse compagnie de la planète. Félicitations pour votre premier ordinateur personnel. Il essaie de déclencher une guerre avec IBM. Je suis parfaitement au courant de ça. Alors faites quelque chose. Écoutez, Arthur, vous savez qu'il a raison. Il y a 3 ans, IBM n'avait aucun intérêt dans l'informatique personnelle. Et maintenant, regardez-les. Ils font comme nous. Pensez-y. Nous y avons pensé. Et je suis désolé, mais le conseil est unanime. Steve ne sera plus impliqué dans l'ISA et son développement. Point final. Ah, mais qu'est-ce que c'est, Arthur? Une espèce de jeu de pouvoir? Pendant 18 mois, vous nous avez soutenus sans faillir. Et tout à coup, vous voulez faire sauter Jobs de sa propre équipe? Je ne veux rien de tout ça, Mike. Mais vous devez vous mettre à la place des actionnaires et voir ça un peu de leur point de vue. Steve est génial. Il est génial. Oui, il est génial. Mais c'est une bombe à retardement. Et c'est notre travail de la désamorcer. Alors à vous de le faire. J'en ai rien à foutre de ce que pense le conseil. C'est le temps que tu prends. Ton perfectionnisme, c'est... Ils s'attendent à ce qu'on ait des pertes par millions avant même que ce truc voie le jour. Ils ne voient pas toute l'ampleur du projet. C'est vrai, les actionnaires ne voient pas au-delà de leur ombre. Ils ne se préoccupent que de l'immédiat. Et les membres du conseil ont des œillères. S'ils pouvaient te voir, s'ils voulaient bien les enlever, ils te verraient comme moi, je te vois, comme les employés te voient. Lisa est mon projet. C'est le mien. Et ils vont m'enlever mon projet. Tu les laisses me faire cette saloperie. Oh, merde, non, Steve, tu sais que c'est pas vrai. Teaching more subjects in more schools than any other computer. Everything from alphabet lessons for preschool to science programs for graduate school. So whatever Brian wants to be, an Apple personal computer can help him be it. The Apple II. There's no telling how far it can take you. Cher papa, est-ce que je peux venir te voir bientôt? Défi Pepsi et laissez votre goût décider. D'accord, vous autres? Ok, maintenant, dites-moi lequel vous avez choisi. Pepsi Cola! Oui? Salut Steve, c'est Mike. Ça marche à tous les coups. Salut. Écoute, je crois que j'ai peut-être trouvé un projet pour toi. C'est plus un rejet en recherche et développement qu'autre chose, mais c'est un truc que tu avais en fait approuvé il y a quelques temps. Tu veux pas jeter un coup d'œil? Alors c'est la division Macintosh, ça. Mm-hmm. Seigneur. Non, ce n'est que Steve. Je suis vraiment content de te voir, Steve. Bill Atkinson. Je vois qu'ils ont des ingénieurs numéro 1, c'est bien. Mm-hmm. Allez, réveille. Ah, salut, Steve Jobs. C'est quoi ton nom? Burl Smith. Burl Smith. Ah, oh, je suis désolé de tout ce désordre. On est juste une bande de dégénérés, alors. J'aime les dégénérés, ça va aller. Ouais. Votre chef de projet, c'est qui? Jeff Raskin. Je ne sais pas où il est. Jeff Raskin. Ok, va falloir que je m'arrange avec celui-là. Je prends les rênes maintenant. Désolé, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, les rênes du projet Macintosh? Oui. Formidable. Où est votre équipe de design? Une équipe de... Faites-moi voir où vous en êtes. Oui. Oui.
Alors manifestement, la facilité d'emploi est le point important ici. Nous essayons de développer une interface plus simple, destinée à l'utilisateur ordinaire, l'homme de la rue. Mais on se bagarre un peu avec l'interface et, pour être franc, les résultats ont été plutôt... merdiques. Ouais. Qu'est-ce qu'il a sous le capot ? Les trucs haut de gamme habituels, 64K de RAM, écran d'affichage bitmap, processeur Motorola 6809. On va lui donner 68 000. Mais vieux, c'est le processeur de Lisa. C'est craqué, ça. Vieux. Au diable le budget. Il me faut ce processeur. Fait. Hé, hey, Steve ! Alors, comment ça va ? Chris, ça fait un bon... Et comment ? Tu travailles sur le Macintosh ? Ouais. Bien. Bien, on va s'amuser. Ok. Alors, reprenons ce qu'on disait plus tôt. Ce truc est pour l'homme normal. D'accord ? Voilà notre utilisateur. C'est le prof d'école. C'est le petit éboueur. C'est l'ado. C'est une bonne grand-mère au fond du Nebraska. Oui ? Alors, nous devons faire un appareil simple. Il faut qu'il marche comme... une machine à laver. Salut, Jeff. Steve Jobs est ici. Puisque t'étais pas dans les parages, on a... Certains parmi les chefs de projet avaient une réunion avec les gens de Motorola. Pourquoi es-tu ici, au juste ? Pour donner un coup de main au Macintosh. Ah, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour nous. Nous sommes justement en train d'éviter que ce projet ne prenne le chemin d'une autre débâcle démesurée. Ok, Jeff. Tu as toute mon attention. Écoute, Steve. Tu ne voulais pas t'appliquer à l'époque où nous avons lancé ce projet, et ça, ça m'allait très bien. Je voulais juste que tu fasses l'échec. Applique-toi, mais évite de faire du Macintosh une espèce de revanche personnelle. Tout le monde sait que tu es tombé en disgrâce avec l'équipe Lisa, alors... crois-moi quand je dis que ça va. Ok, Jeff. On va essayer de mettre deux ou trois choses au point. Nous ne faisons pas dans le « ça va » et nous refusons d'accepter les choses telles qu'elles sont et nous n'arrêtons jamais d'innover. Maintenant, ta machine manque de puissance et ta jolie interface doit être refaite et c'est moi qui suis là pour vous aider. Non, je n'essaie pas de te prendre le Macintosh. Je veux que tu sois dans cette équipe. Mais tu as le choix. Ou alors tu viens à bord, ou alors tu fiches le camp. Ok, maintenant on a du pain sur la planche. Alors, on va s'y mettre. Bill, tu m'accompagnes. Ok, on va où ? Recruter. Merde. Salut, Steve. Tiens-moi 5 secondes. Ouais. Merci. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Steve ! Tu fais partie de l'équipe Macintosh, maintenant. Steve ! C'est quoi, Macintosh ? Andy Hertzfeld. Tu as du talent ? Je ne veux que des gens talentueux pour travailler sur le Macintosh et... je suis pas sûr que tu sois assez talentueux. Excusez-moi. Bill Atkinson dit que tu as du talent. Oui, je crois que je suis plein de talent. Tu es créatif ? Je crois que oui. L'équipe Macintosh te recrute. J'en ai marre de sauver ton cul, jeune. Tu aimes sauver mon cul. Je veux ma propre équipe d'ingénierie. Toi-même qui les choisiras. Et j'en ai terminé avec le travail sous la pression de tes ridicules délais merdiques. Aussi bien lui demander un rendez-vous. Je veux ça aussi. Fait. Je suis sérieux, Steve. Qu'est-ce que c'est, Steve ? Une espèce d'estimation de performance ? Les choses vont comment avec eux deux ? Les choses vont bien. Oui, très très bien. Tu t'ennuies à mourir, à vous ? Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que t'essaierais de me recruter pour le Macintosh ? Ok, tu m'as.
Vous devez avoir un problème que vous voulez résoudre, un tort que vous voulez corriger. Et il faut que ce soit une chose qui vous passionne totalement, parce qu'autrement, vous n'aurez jamais la persévérance d'aller au bout. Je ne veux jamais vous entendre me dire que vous ne pouvez pas le rendre plus rapide. Je veux dire, des millions de personnes vont acheter cette machine. Et on ne doit pas voir les compétiteurs en se disant « on va en faire un meilleur ». On doit voir les compétiteurs en se disant « on va en faire un différent ». Nous avons une belle occasion de fabriquer une machine révolutionnaire. Et dans une vie, on a l'occasion de ne faire qu'un certain nombre de choses. En ce moment, nous avons choisi de faire ça. Alors, faisons-le parfait. À la folie. Nous devrions mettre plus de mémoire si nous pouvons. Il nous reste encore un peu de temps. Étudiez ça. Ce petit projet Macintosh nous a échappé, Steve. Complètement au-delà des limites. D'abord, vous avez créé une monstruosité de 10 000 dollars avec Lisa, et maintenant, vous avez englouti des millions dans ce qui ne devait être qu'une diversion mineure. Vous avez manqué plusieurs dates d'expédition, et pendant ce temps-là, IBM ronronne sans aucun souci. Steve, les gens n'utilisent pas les ordinateurs de la manière que vous pensez. Comment pouvons-nous mettre en marché le Macintosh? Ce ne sera pas nous. Donnez-moi 5 candidats PDG. Vous allez me laisser choisir. Il faut qu'on choisisse un homme avec un bagage en marketing qui nous mettra en vente ce qui n'a jamais été vendu. Même si j'aimerais diriger ma propre compagnie, Mike a réussi à me faire comprendre que vous trouvez que je ne suis pas prêt. Oui, parce que c'est le cas. Ok. Je veux John Scully. John Scully? Président de Pepsi Cola. Le défi Pepsi, c'est ce gars-là. Il est brillant, c'est un génie du marketing, et il fera tout ce qu'il faut pour réussir. Steve Scully sera dur à avoir. Probablement le plus dur de notre liste. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous le persuaderez? Pourquoi quitterait-il Pepsi? Il n'y a personne qui se rappelle le meilleur vendeur de soda au monde. Je veux un homme en qui j'aurai confiance. Vous pouvez fabriquer un grand produit. Mais vous devez convaincre le public que ce que vous vendez est plus grand encore. Les ordinateurs, ce n'est pas ce que nous vendons. Nous vendons ce que les gens sauront faire avec un ordinateur. Un outil pour l'esprit. Et ça, croyez-le, chers amis, c'est illimité. Parce que la plupart des jeunes n'arrêteront pas de croire qu'ils peuvent retirer davantage de quelque chose. Que ce soit parfois leur job, leur mariage, leur compte en banque, leur vie. Voilà ce que vous devez faire avec le Mac. C'est la foi dans l'illimité, l'impossible. Que peu importe votre rêve, il sera réalité. Et Mac est là pour vous y aider. Il y a quelques mois, quand Steve est venu me voir à Manhattan, il m'a posé une importante question. Il m'a dit, tu préfères vendre de l'eau sucrée pour le reste de ta vie ou bien m'aider à changer le monde? Eh bien, je suis là. Steve, merci. Nous sommes en 1984. Il semblerait qu'IBM veuille le contrôle. Apple est vu comme le seul espoir de défier IBM dans la course.
Est-ce que Big Blue dominera l'industrie de l'informatique au complet? Non! Régnera durant l'ère de l'information? Non! Est-ce que George Orwell avait raison quand il parlait de 1984? No! Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification of the past. All the time, all history of a god of a pure ideology. January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Quelle réponse, hein? J'arrive pas à le croire. Révolution, c'est une révolution. Un ordinateur qui bouleverse tout. Tu t'es vraiment dépassé, Steve. On devrait... Appelle-moi tant. On ira manger un morceau, quelque chose. Ouais. Ok. Ouais, j'aimerais ça. Steve. Oui? Vous avez fait un bon boulot. Merci. Steve, je tiens à ce que vous sachiez que vous avez notre confiance. J'espère que vous le savez. Merci, Parker. Hey. C'était quoi, ça? Quoi? Rock, il vient juste de dire je sais pas quoi, vous avez notre confiance. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Macintosh. On leur a fait passer en revue beaucoup de chiffres de différentes manières, des centaines de fois. Vous augmentez le prix du Macintosh? Si on laisse comme ça au lancement, nous aurons perdu de l'argent par toutes nos artères. Vous allez dépasser les moyens du consommateur. Nous ne pouvons pas courir le risque d'aplatir notre marge non. de profit. On peut avoir le beurre et l'argent. Après tout, tu as insisté sur le matériel le plus haut de gamme. Le Macintosh était bien moins coûteux au départ. Jeff Raskin a conçu un boîtier de $1000 et moi je l'ai rendu admirable. Si tu veux que la compagnie demeure profitable, cette idée vient de qui? C'est le groupe qui a décidé. Cette idée vient de qui? C'était la mienne. Ce n'était pas le conseil ni Michael, seulement moi. Nous ne faisons pas ça, John. IBM fait ses conneries. Steve, pas Apple, ni moi. Ne fais pas de moi le méchant parce que je me soucie de voir à ce que la compagnie prenne les meilleures décisions. Steve! Il y a plusieurs choses qui doivent changer. Si tu t'obstines à suivre ce chemin, je ne serai pas capable de te protéger. Ils t'ont eu. Ils? Comment vous avez eu ça? Arrivé juste hier. Il est pré-bêta, ça semble clair, mais il est tout... C'est manifestement un vol. Passez-moi Bill Gates au téléphone. Je vais être parfaitement clair, Bill. Ainsi, quand tu m'auras entendu, tu y verras encore.
À travers tes épaisses lunettes prétentieuses, espèce de psychopathe criminel sans imagination. Tu as volé mon logiciel. Et je le prouverai en cours. Je vais te poursuivre en justice pour te prendre chaque cent que tu auras jamais empoché. Et désormais, le but de toute ma vie sera de voir à ce que jamais, jamais, tu ne puisses faire un autre dollar sur lequel je ne prélève 90 cents. Je ne peux que présumer que vous êtes tous aussi furieux que je le suis et que vous êtes simplement trop abasourdi pour parler. Monsieur Jobs nous a promis 1 million d'unités. Nous n'en sommes même pas au quart. Nous avons besoin que les choses changent. Avec 2 projets ratés, une recherche indûment longue et ce fiasco avec Microsoft, nous allons subir la première perte trimestrielle dans l'histoire de la compagnie. IBM nous a battus sur le marché par 2 ans avec un meilleur produit et de meilleures ventes. Le Macintosh n'est même pas un jouet, c'est une farce. IBM en est maintenant rendu au mini-serveur et nous devrions le faire aussi. Que voulez-vous dire, Roger? Voici. Messieurs, je pense qu'il est grandement temps de reconsidérer la viabilité de l'informatique personnelle. Steve, vous n'avez rien à dire? Que voudriez-vous m'entendre dire, Arthur? C'est vous qui avez gonflé notre prix. Ne me blâmez pas, moi. Le problème n'est pas le prix, Steve. C'est votre produit. Vous avez surpublicisé le Mac, vous avez dit au public d'être patient. Vous avez vendu le futur du Macintosh, avec pour résultat que nous avons perdu 2 ans de vente. C'est pas de ma faute. Merde, il y a quelqu'un dont c'est sûrement la faute. Je ne bénéficie d'aucun appui. Vous me dépouillez de mes ressources et vous dépensez des millions dans le Apple II. Vous savez pourquoi nous dépensons des millions dans le Apple II? Parce qu'il se vend. C'est 70% de notre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que le Mac rapporte? J'ai émis mon opinion de manière claire. Si vous voulez vous amuser à renifler les gaz d'échappement d'IBM, je ne peux pas vous en empêcher. Mais je refuse d'être blâmé pour les échecs de quelques bouffons de cour. Ok, arrête, Steve. Non, non, non. Il y a une personne à qui vous pensez, Steve? Je n'en sais rien, Arthur. À vous de me le dire. John, vous êtes vraiment très silencieux. Oui, je m'en excuse. Oui, je suppose que je suis sans mots. Chef du marketing. Pepsi génie. Sans mots. C'est lui. Non, le Mac. Mais les coups de ce procédé. Oh, I'm sailing away. My own true love. Pour calculer un prix affiché de 10 000 dollars. I'm sailing away. In the morning. Is there something I can send you from across the sea? Ce qui joue finalement contre lui et non contre le Mac. C'est ironique, non? Tu choisissais Dylan, je choisissais. Je choisissais les Beatles. Ça semble un peu à l'envers aujourd'hui. Was, qu'est-ce que tu fais ici? Content de te voir aussi, Steve. Je suis un peu occupé. Si on se parlait une autre fois. Oui, oui, ça va prendre juste 1 minute. Je m'en vais, Steve. Ok. Non, Steve. Je pars de chez Apple. Pour de vrai. En fait, je suis déjà parti, j'ai juste... Je voulais juste passer te le dire en premier. Pourquoi? Toi et moi, on savait que ça finirait bien par arriver. J'ai pas souvenir. J'ai aucun souvenir même de la dernière fois qu'on s'est parlé. Qu'est-ce que tu veux de moi, alors? On n'a pas tous une intention cachée, Steve. C'est vrai. Tu sais, je me rappelle quand on était tout jeune et que ton père nous avait laissé son garage. Et tout ce qu'on voulait, c'était créer des jouets cool pour des gens un peu comme nous. Tu te rappelles pas? Ouais. Il ne s'agit plus de gens comme nous pour toi, maintenant. Il s'agit d'abord du produit. Et surtout,
Il s'agit d'abord de toi-même. Tu es le commencement et la fin de ton monde à toi, Steve. Et il est si petit. Si triste. Et tu dois t'y sentir tellement seul. Et je sais que tu vas dire que le produit et la personne ont besoin d'être connectés et tout ça, mais ce sera jamais vraiment ce que tu crois que ça va être. Ça n'arrivera pas. Non, pas avant un long moment, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu crois qu'il se passe, Steve, mais je le sais, moi. Et ça finit pas bien pour toi. Et je veux pas. Je veux pas rester ici pour voir ça. Quel beau voyage. Et en passant... J'aime ce que nous avons fait. If you, my love, must think that away, I'm sure your mind is roaming. I'm sure your thoughts are not with me, but with the country to where you're going. John Scully. Laissez-moi un message. Salut, John. C'est Steve. Je voulais juste... On est toujours partenaires, John. Toi et moi, je... On est ensemble là-dedans, tous les deux. Et je... Tu veux bien me rappeler? Ce serait génial. Salut, Mike. C'est Steve. Tu voudrais me rappeler? S'il te plaît. John, vous devez prendre le contrôle tout de suite. Vous réalisez à quel point nos actionnaires sont proches de l'état de panique? Les implications de votre inaction? Oubliez votre job, c'est toute la compagnie qui est en jeu ici. Ça pourrait ruiner tout le monde. Je sais, Roger, mais je crois encore qu'il y a moyen de sauver ça. On ne peut rien sauver. Je doute... Steve? Mike? John? Steve? Roger? Qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? C'est une question que je peux vous retourner. C'est très bien. Steve, joignez-vous à nous cette fois-ci. Asseyez-vous. Cette fois-ci. Steve, asseyez-vous. John? Roger, je ne veux pas... Oui. Vous voulez. Dites-le. Dites-lui ce que vous m'avez dit à moi. Je trouve de plus en plus difficile de faire mon travail. Quand le plus grand obstacle sur mon chemin, j'ai une ombre inquiétante sur tout ce que j'essaie de faire. Qu'est-ce que tu dis ? Steve, c'est toi qui es ton pire ennemi.
celui de cette compagnie. C'est pas croyable. Pour qui est-ce que tu te prends? Je suis le PDG de Apple Computer. T'engager fut la pire bêtise que j'ai faite de toute ma vie. Steve, ça n'a pas à se passer comme ça. Ok, c'est fait. C'est pas les conseils qui dirigent les compagnies. C'est les gens qui créent le produit qui dirigent la compagnie. Et il a le culot de me dire que c'est le 512 qu'on aurait dû prendre. On leur a expliqué qu'il lui fallait le 512. On a dit de ne pas utiliser le 128. On savait que 128 kilobytes serait insuffisant quand on l'a mis au point. Scully va partir pour la Chine ce soir. Il y restera une semaine, alors on a le temps. Il faut juste qu'on recrute. Steve, Scully va l'apprendre tôt ou tard. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, maintenant, c'est lui le PDG. Bah, pour l'instant. Mais nous avons les gens qui font, Apple. Ouais, salut, Mac. On venait de commencer. Les gars, laissez-nous une seconde. John a annulé son voyage. Il a une réunion de l'exécutif à la première heure demain matin. Alors, je ne suis pas venu joindre votre révolution. Je suis venu pour te prévenir. Il veut absolument s'assurer que tu ne seras rien de plus qu'une figure de pro. Sans pouvoir, sans titre, sans équipe. La première fois qu'on s'est vu, je me souviens m'être dit que tu étais remarquable. Tu voulais faire quelque chose de vraiment grand. Et je voulais aussi. Je le veux toujours. Brandis le drapeau blanc. Rends-toi à Scully, je t'en supplie, Steve. Non. Tu ne gagneras pas ce combat. Tu es dans quel camp, Mike? Oh. Parce qu'il y a des camps maintenant. Ou alors tu es avec moi, ou alors tu es contre moi. Tu es avec moi, Mike? Oui, Steve. Je suis bien avec toi. Ok. Ok. Ceux qui sont en faveur de John Scully? Ceux en faveur de Steve Jobs? Mike, tous les membres du conseil doivent exprimer leur vote. Mike? Scully. Je vote pour Scully. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
la valeur de l'action Apple a faibli au cours des dernières années, ce qui a mené à l'éviction de l'ancien PDG John Scully en 1993. Ed Woodard, ancien PDG de DuPont, est entré chez Apple en tant que président du conseil. Le nouveau PDG Gil Emilio soutient que des changements majeurs sont nécessaires. Next, l'entreprise de logiciels de Jobs a entamé les pourparlers pour un rachat éventuel par son ancienne compagnie Apple Computer. Réveiller un peu Lisa et voir si elle voudrait pas déjeuner. Ok. Lisa? Lisa? Debout. Tu vas pas dormir toute la journée, hein? Laisse-moi tranquille. Pourquoi? Je dis toute la journée parce qu'il est 10 heures. Lauren t'a préparé à déjeuner. J'ai pas envie de manger. Bah, tu peux pas dormir pendant tout le congé des fêtes. Oui, je peux. Reed? Reed? On pourrait ne pas courir dans le jardin, s'il te plaît? Merci. Est-ce que t'as pu réveiller Lisa? Ben... Est-ce qu'un être humain peut vraiment dormir à ce point-là? Elle... J'ai aucune idée si elle va venir manger. Je vais aller au marché des fermiers aujourd'hui. Je vais chercher 2-3 petites choses. Tu avais des plans? Tu viens avec moi ou bien... J'ai dit tu avais des plans aujourd'hui? Ben... Gil Emilio est censé venir me voir. Pour la transition avec quelques-uns de nos logiciels. Ok. Ils ont besoin d'un petit coup de main. Je fais rien d'autre que ça. Ah bon. Je m'attire des ennuis, hein. Steve, que puis-je faire pour vous convaincre de revenir? Que pouvez-vous faire pour me convaincre que je n'embarquerai pas à bord du Titanic, Gil? Parce que je connais vos sentiments envers Apple. Ce que Next n'a jamais pu être. En plus, je veux dire, compte tenu que vous détenez 1,5 million d'actions de Apple, enfin, c'est un investissement considérable aussi. Les gars, vous me semblez plutôt désespérés. Nous ne sommes pas désespérés. Et comment ça va avec le Newton? Écoutez, ne me blâmez pas pour les échecs du dernier régime. Ça ne va pas aussi mal que vous croyez. Vous supervisez de nombreuses mises à pied. Le cours de Apple vient d'atteindre un autre bas niveau record. Et vous êtes à 4 mois de l'insolvabilité. Je dirais que c'est plutôt mauvais. Ben oui, si on veut réparer ce qui est brisé, on est bien obligé de faire quelques sacrifices, non? Steve, que vous faut-il? Dites-le-moi. Steve. Mike. Je suis content de te voir. Suivez-moi, je vous fais visiter. Non, Gil, ne vous en faites pas avec ça, je vais lui montrer les lieux. Vous êtes sûr? Très sûr, aucun problème. Bien. Parfait. Ok, allez-y, je... Je vous rejoindrai. Steve, il y a une chose que j'ai toujours voulu que tu saches.
Ce n'était pas ma décision. Laissons ça de côté, Mike. Non, c'est très important, tu sais. J'ai essayé. Je voulais que tu sois là. Je l'ai toujours voulu. Dommage qu'il m'ait fallu si longtemps pour te ramener. Oh, tu m'as pas ramené. Oh, on verra bien. On en reparlera. Écoute, je pense que je vais pouvoir visiter seul. Ça va aller très bien. Ah, le salaud. Qui a fait ça? Moi, monsieur. Qui êtes-vous? Jonathan Ive, patron du design industriel. Pourquoi êtes-vous encore ici? On est lundi et il est 11h30 du matin. Non, vous. Pourquoi êtes-vous encore ici, chez Apo? C'est pas la compagnie que j'ai bâtie. Il n'y a aucun goût, aucun style, aucun design. Et sauf s'il vous ligote à votre chaise, pourquoi restez-vous? Monsieur, je dirais qu'il reste ici encore quelques personnes qui croient en ce que Apple a défendu. En ce que vous avez défendu. Que croyez-vous que j'ai défendu? Je crois que vous pensez que l'ordinateur personnel ou le Walkman ou quoi que ce soit du même genre doit d'abord être une extension naturelle de l'individu. Et c'est à cause de cette mission, de cette dévotion à la qualité et à des idéaux et au cœur qu'on ne veut pas partir. Et si on pouvait le faire une fois de plus? Quoi que vous soyez en train de faire, oubliez-le pour aujourd'hui. Je veux que chacun de vous conçoive quelque chose de nouveau. Je me fiche de ce que c'est, que ce soit ou pas de la technologie, je veux juste que vous créiez un objet. Un objet utile. Un objet qui vous importe. Steve. On est heureux de votre retour. Je suis pas de retour. Pas encore. We spotted the ocean. Head up the trail. Where are we going? So far away. Steve. Oui. Cochonnerie. Steve, je te présente notre président, Ed Willard. Steve? Bonjour. Écoutez, je sais tout des batailles du passé et du ressentiment que vous ressentez. Et je comprends votre hésitation à me faire confiance. Mais je tiens à ce que vous sachiez que je ne suis pas Arthur Rook. Je suis votre ami. Ok. Alors on peut prendre une minute pour parler? Il semble que oui. Ça vient d'être publié. Je suis sûr que vous avez vu la nouvelle. Je suis désolé, Ed, vous allez devoir être un peu plus spécifique. Notre cours est tombé d'exactement 7,5% en une nuit.
C'est son plus bas niveau en 10 ans. La semaine dernière, un investisseur mystérieux s'est débarrassé d'1,5 million d'actions. Ça a plongé le marché dans une mini-panique, Steve. 1,5 million d'actions? Waouh. Oui, je crois que les actionnaires sont de plus en plus nerveux ces jours-ci. On te veut ici, Steve. Mais j'y suis. En tant que consultant. En tant que PDG. PDG? Oui, au moins dans l'intérim. Et Gil? Ouais, ben, Gil a un pied dans la porte. Il voit sans doute les signes avant-coureurs. Enfin, s'il n'est pas trop fier pour l'admettre. Oui, il va essayer de vous pousser dehors. Oui. Et apporter des arguments contre vous. Oui, j'ai déjà vu ça auparavant. Gil est fini. Son avis ne compte pas ici. Il ne nous faut qu'une petite poussée de ta part. Si tu veux récupérer ce que tu as perdu, voilà l'occasion. Je n'ai rien perdu du tout. On m'a volé ce qui était à moi. Il n'y a plus de sexe dans les ordinateurs. Aucune courbe. Et si les ordinateurs sont faits pour l'art et la beauté et la communication globale, pourquoi sont-ils si laids? Ça devrait être vraiment artistique. Mais qui s'en soucie? Les gens voient sans doute le monde de l'ordinateur comme en noir et blanc, mais... Nous vivons et nous rêvons et nous peignons en couleur. Et nous croyons que l'ordinateur devrait le faire. Qu'est-ce que vous en dites? Johnny, j'ai toujours voulu que vous soyez bien honnête avec moi. En tout temps. Totalement honnête, sans détour. Vous voyez? Je vois, oui. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je crois que le bleu est assez bizarre. Une idée un peu idiote. Si on mettait les haut-parleurs à l'intérieur. Oui, Steve. Gil Emilio et le conseil ne l'autoriseront pas. Jamais. On peut le faire sans leur permission. Steve a fait un magnifique boulot en m'assistant en tant que conseiller durant cette période. Et même si j'applaudis ses actions et ses initiatives, je pense qu'il est maintenant dans notre meilleur intérêt d'aller de l'avant et de soulager Steve de son rôle de conseiller dans cette compagnie. Je suis d'accord, Gil. Ah oui? En effet, je crois qu'il est temps pour Steve d'abandonner son rôle courant, oui. Steve? Merci, Ed. Je voudrais présenter au Conseil ma vision pour l'avenir de Apple. Nous ne sommes pas Microsoft ou Dell. Alors nous devons arrêter dès maintenant d'essayer d'être comme eux. Nous devons revenir en arrière vers qui nous sommes. Et ce que nous faisons de mieux. Et jeter à la poubelle tout le reste. Voici ce que nous allons faire. Nous allons bâtir une nouvelle ligne d'ordinateur pour la maison et pour le bureau. Nous allons écrire un nouveau système d'opération que nous développerons à partir de l'épine dorsale de Next, la prochaine génération de Macintosh. Et nous allons tuer tout autre projet. Tout. Cette compagnie ne fera plus jamais de merde. Nous allons aussi doubler le budget de publicité. Shire Day demeurera notre seule et unique agence de pub. Ce sera comme au bon vieux temps. Bref. L'entreprise Apple sera cool à nouveau. Mais je n'arriverai pas à aller de l'avant sans la permission du Conseil de faire mon travail dans une complète autonomie. Je serai membre du Conseil avec plein droit de vote et... PDG par intérim. Non, un instant, là. Je suis le PDG et ceci est un... C'est vous qui m'avez mis dans ce pétrin, Steve. Apple est un bateau avec un trou dans la coque, et il prend l'eau de partout. Et c'est mon travail de m'assurer que nous pointions le bateau dans la bonne direction. Alors pourquoi ne me laissez-vous pas faire mon travail un peu? D'accord, nous passons au vote.
Ceux en faveur? Mais qu'est-ce que c'est? Ed? Mike? Désolé, Inger. Ce n'est rien de personnel. Quand on grandit, on se fait souvent dire que le monde est comme il est. Que notre vie consiste juste à vivre à l'intérieur de ce monde, en essayant de ne pas trop se cogner la tête contre les murs. Mais c'est une vie très limitée. La vie peut être bien plus épanouissante une fois qu'on a découvert un fait simple. Qui est que tout ce qui nous entoure, qu'on appelle la vie, a été créé par des gens qui ne sont pas plus futés que nous. Et on peut changer ça. On peut l'influencer. On peut construire ses propres objets que les autres pourront utiliser. C'est pour se débarrasser de cette notion erronée que la vie est là, c'est tout, et qu'on doit juste vivre dedans, au lieu de la prendre à bras-le-corps, de la changer, de la rendre meilleure, de faire notre marque sur elle. Et quand on a appris ça, on ne sera plus jamais le même. Mais vu la situation de notre trésorerie... Monsieur le PDG? Mike. Steve, tu voulais me parler? Bienvenue, viens. Assieds-toi. Ed. Salut, Garrett. Mike. Qu'est-ce que c'est? C'est une belle occasion. Je n'ai pas vu Bernard dans le coin depuis quelques jours. Où sont Catherine et Delano? Monsieur Lewis et Madame Hudson ont rendu plus facile une décision difficile en acceptant de démissionner comme membre du Conseil. Ah oui. Ils ont tous les deux été d'accord pour accepter un très généreux parachute doré. La même offre est décrite en détail dans cette enveloppe. Alors tu nous pousses dehors? Et avec raison. Ah oui? Laquelle? L'arrangement actuel est un obstacle. Je ne peux pas tenir la main de chacun pour traverser la rue, Mike. Alors tu vas supprimer ton conseil au complet et tu crois que ça se fait comme ça? Je suis désolé, Mike. Mais il est temps. Prenez le parachute. Il est plus que généreux. Va-t'en. Tu sais, j'avais pensé que je me retirerais d'ici pendant que je serais encore dans ma trentaine. Et regarde-moi. Je suis presque un vieillard maintenant. Au revoir, messieurs. Merci, Mike. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons faire une bosse dans l'univers. Ceci est en l'honneur des cinglés. Des marginaux. Des rebelles. Des provocateurs. Des blocs ronds dans les trous carrés. De ceux qui voient les choses différemment des autres. Ils ne sont pas fous des règles, et ils n'ont aucun respect pour le statu quo. On peut les citer, les dénoncer, les admirer ou encore les détester. Mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est les ignorer, parce qu'ils changent les choses. Ils poussent la race humaine à avancer. Certains voient en eux de la folie. Nous y voyons du génie. Parce que ceux parmi nous qui sont assez fous pour croire qu'ils vont changer le monde sont ceux qu'il faut. Comment c'était ?
can do whatever you want to do. Anything you want, you can do. You can ride a tiger or walk a dog. Anything you wish can be true. You can watch the world as it passes by, or you can make it stop for you. You can stay at home or brave a storm when the blizzard blows. You can dance around in the rain or watch from the window. You can lay in bed and do nothing or rise and shine. You can take whatever comes around, but please don't take what's mine. You can do whatever you want to do. Anything you want, you can do. You can say whatever you wish to say, but if you do, then please make it true. You can chase a dream in the black of night, or you can make it a walk to you. You can treat the world like a piece of dust or a pot of gold. You can be a child in your heart, or you can grow old. You can laze around in your jeans or put on a suit. You can be the boss of the company or just join the queue. You can close your eyes to the dark or make it bright. You can stop the wrongs of the world if you can make it right. You can hide at home when the soldiers start to march out. You can listen to what they say, or you can shout.
Thank you.